Bon, les amis, concernant la tentative d'assassinat contre Donald Trump, vous imaginez bien que moi, je vis ça de l'intérieur. J'ai vécu ça hier, j'ai fait ma story, j'ai posté la story. C'était vraiment quelques minutes après l'événement. Tout s'est enflammé ici, l'internet, etc. Il faut quand même relativiser. Je vois beaucoup de gens qui partent dans des théories, conspirationnisme, machin, etc. Ceux qui disent que c'est organisé par Trump, etc., bon voilà, c'est carrément ridicule, hein, je vais même pas commenter ça, ça c'est complètement con. Ceux qui disent que c'est la CIA, l'état profond, le gouvernement Biden, etc., qui aurait fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Trump était à son meeting, il s'est fait tirer dessus par un AR-15, la balle l'a frôlé et l'assassin, enfin le tireur a été abattu par les services secrets. Il faut savoir que Trump est toujours protégé par les services secrets. Tous les anciens présidents sont toujours protégés par les services secrets. Moi, quand j'étais le voir en meeting, etc., vous vous faites intégralement fouiller, etc. Il y a des services secrets qui sont là pour faire toute la protection. Donc ça, c'est normal. Là, c'est un meeting en extérieur. C'est beaucoup plus dur à sécuriser. Des gens disent oui, mais les tireurs, ils l'ont vu. Parce qu'en fait, les gens ont vu que le mec avait une arme. Ils ont commencé à appeler la sécurité, a montré du doigt en disant il a une arme, et il a quand même réussi à tirer. Alors on ne sait pas exactement encore, on n'a pas encore les détails de comment ça s'est déroulé, mais il faut bien comprendre plusieurs choses. Vous êtes tireur, vous êtes posté pour protéger Trump. On vous dit, lui il a une arme, c'est pas pour ça que vous pouvez l'abattre comme ça, c'est pas aussi simple que ça. Et je comprends bien que d'un point de vue extérieur, on comprend, ah, mais comment ça se fait qu'ils l'ont laissé, etc. Je dis pas que ça n'a pas été organisé, je ne dis pas que ça a été organisé, je dis juste que c'est plus compliqué que ça, parce que vous ne pouvez pas juste abattre un gars parce que tout le monde le pointe du doigt, et même si vous voyez qu'il a une arme, tirer sur quelqu'un et l'abattre dans une foule, c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, il y a un civil qui a été tué, alors je ne sais pas encore s'il a été tué par le tireur ou s'il a été tué par les répliques des services secrets. En tout cas, il y a un civil qui a été tué, un pompier qui a été tué, qui était là. Donc, vous voyez, c'est très compliqué de tirer dans une foule comme ça, Et tout ça se passe en quelques secondes. Donc voilà, je dis juste qu'il faut relativiser là-dessus. En tout cas, on a vu que Trump s'en est merveilleusement bien sorti. La balle est passée très très près, lui a tapé dans l'oreille. Donc vraiment, ça s'est joué à un centimètre de le perdre. Donc on peut dire vraiment que Dieu l'a protégé sur ce coup-là. En tout cas, sa réaction, elle a été mémorable quand il s'est relevé, etc. Vous avez vu les photos. C'est clairement pas Macron ou Biden qui auraient réagi comme ça. Je pense que Macron, ce serait littéralement chié dans le slibard. Et Biden, à mon avis, c'est le cœur qu'aurait lâché. Donc vraiment, voilà, il avait un meeting dans le Wisconsin aujourd'hui. À la base, il a commencé à se dire, bon, on va l'annuler tout. Finalement, non, il y va. Il l'a dit tout à l'heure, il va dans le Wisconsin. Il n'annule aucun meeting ni rien. Donc vraiment, franchement, je trouve que ça donne une très bonne image de lui. Donc tout ça, c'est bénéfique. Mais maintenant, il faut comprendre d'où ça vient. Le mec, le tireur, qui a été abattu, on peut voir, donc on a vu des stories de lui, etc., où il dit qu'il déteste Trump, qu'il déteste les Républicains, mais en même temps, il portait un t-shirt de Demolition Ranch, donc ce qui est très bizarre, Demolition Ranch, qui est une grosse chaîne YouTube texane, pro-arme, très républicaine et tout. Matt de Demolition Ranch a fait un post en disant « What the fuck, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, est-ce qu'il s'est habillé comme ça pour passer inaperçu dans le meeting, ce qui est possible aussi? Enfin voilà, ou est-ce que c'est juste parce que c'est un malade mental? Difficile à savoir, voilà, est-ce que tout ça, lui, ils l'ont laissé faire volontairement, est-ce qu'ils l'ont pas laissé faire volontairement? Il faut pas s'enflammer, en tout cas, il faut attendre d'avoir des infos sérieuses, et puis si j'en ai, je vous tiendrai au courant dans les lives, etc.